Bonjour. Alors aujourd'hui, ce sera présentation de mes affaires puisque je les ai récupérées du club où je monte. Alors voilà, je commence. Alors voici ma boîte. On va commencer par la grosse boîte. D'ailleurs, elle est toute poussiéreuse. Il faudrait que je passe la poussière. Pour commencer, voici mes Flexon. Elles sont sales aussi, il faudrait que je les lave. Alors ensuite, c'est un peu le bordel, il faudrait que je range aussi. Alors ça, c'est ma moumoute. C'est pour le siège, pour s'asseoir, très confortable. Mais franchement, j'utilise quasiment, carrément tout le temps. Ensuite, ça c'est au cas où, toujours pratique d'avoir un chiffon. Là, il y a tous mes accessoires. Ça, c'est pour le goudron. J'utilise principalement quand c'est la fourchette. La fourchette et la sole sont trop pourries. En hiver. Le couteau de chaleur. Ça sert pour l'été, quand on douche les chevaux. Ma brosse. Il faudrait que je les nettoie tous aujourd'hui. Je crois que je vais le faire. Hein. Ma brosse, ça c'est la crin, c'est brosse à crin que j'ai acheté à Réquestre, à Plan de Campagne. Une étrille américaine. Les crèmes, lui il est vide mais l'autre il est pas, je crois que j'en ai une autre, je crois. C'est pour, je l'utilise pour toutes les blessures, pas que au pâturon. Dès qu'il y a un manque de poils, je le mets au poney, au chevaux. C'est la même chose, lui il est un peu plus rempli. Ça c'est après l'effort. Là j'utilise pas parce que vu qu'on est en confinement, enfin dans déconfinement, on peut aller au club, mais c'est le club qui prépare déjà les chevaux. Ça j'utilise carrément, quasiment pas. C'est pour en particulier pour faire enlever la poussière des chevaux, c'est pratique en hiver. J'ai jamais utilisé, je sais pas pourquoi. Ça, c'est pour faire des massages qui va avec ça d'ailleurs. J'utilise pas tout le temps. Donc, je l'ai sur moi. Ça, c'est toujours pratique aussi. J'utilise pour faire les cuirs. Quand j'ai fait mes cuirs de mes étrivières. Oula, les gants, j'utilise plus parce qu'ils me vont pas. J'ai la fois que je les lave aussi. Ma brosse pour l'hiver, pour l'été, très sale d'ailleurs. Ma brosse douce, je n'utilise pas beaucoup aussi. J'en ai une autre là. Là, c'est vraiment beaucoup pour les bonbons. Là, c'est vide. Faudrait que j'en rachète. Des gants que j'ai jamais utilisés, je ne sais plus où est l'autre. Faudrait que je les essaye. Ça, c'est le produit contre la pourriture des fourchettes. Voilà, que quand les fourchettes sont pourries, que ce soit l'été ou l'hiver. Ça, c'est pour le cuir quand t'es à la bourre, quand t'as la flemme de faire les cuirs entièrement. T'as déjà la graisse dedans la brosse. Voilà. C'est une éponge lustrante. Une brosse à dents. Pour laver, c'est une fosse, hein, évidemment, enfin, c'est une fosse. Elle est plus utilisable pour l'humain. Du coup, je l'utilise pour laver le mort. Très pratique. De l'eau oxygénée. Ça me sert pour les blessures ouvertes. Ça pique un peu pour les chevaux, mais c'est désinfectant et ça, c'est important. Ça, c'est pour la commission d'élèves et ça sent très bon, moi je trouve. C'est en anglais. Je l'ai acheté à Pad, mais c'est pas en français.
Ça sert pour les efforts ou quand on a des quand, pour les chevaux qui ont une bouche sensible. Ça, c'est un pinceau. Pas utilisé encore. Et voilà pour ça. Je vais tout remettre pour le moment. Que je range bien, mais bon, je vais le laver ensuite. Donc, du coup, ça sert à rien de faire un trait pour le moment. Ça, je vais le mettre ailleurs. Ah, et ensuite, ça. Alors, ça, la petite boîte déjà, ça. C'est des éperons interchangeables en plastique qui font moins mal aux chevaux. J'utilise souvent soit les bourrons, soit les bouts. Soit les bouts. Ces bouts-là. Ça sert, bon, j'utilise pour les poneys qui n'avancent particulièrement pas. Mais ça sert pas qu'à ça, les éperons, bien sûr. Mais là, j'ai utilisé la dernière fois les bourrons. Et ça fait moins mal. Les chevaux arrivent. Ils courent quand même bien avec ça. Et je préfère ça que au fer. Ensuite, les petites brosses pour sabots. La petite brosse. Voilà. Les ciseaux au cas où. Pour couper les étiquettes ou autre. Voilà. Attends, il n'y a rien. Ça, on peut, avec ce petit compartiment, on peut mettre peut-être des élastiques hein, pour ceux qui font des pions pour leurs chevaux. Ah oui, ça se met comment déjà ça? Sans doute ici, sauf qu'il y a trop de choses. Là. Voilà. Faudrait que je range mieux. Attends, c'est le bordel ici. Voilà. Même pas. Ah bah oui. Effectivement, si je l'enlève, si je le mets pas bien. Voilà, pour la boîte. La boîte, je l'ai achetée dans un stand à 15 euros. Bon, il y a toujours le prix. Je l'ai même pas enlevé encore. Ensuite, oui, il y a mes cravaches. Ma cravache de ma mère, elle date de 1980. Elle est ancienne. Là, j'utilise plus trop. Là, j'utilise plus souvent le stick. Le stick. C'est très pratique pour de faire des demandes plus précises pour le cheval et pour les faire avancer pour ceux qui sont lents. J'aurais dû l'utiliser avec Etra parce qu'elle est narcoleptique et elle n'avance pas du tout. Ça, je l'ai dit, je l'ai mis. Ma bombe. Ma bombe, elle date il y a. Ça fait 7 ans que je l'ai et il serait temps de la changer, que je la change parce elle est vieille. Et je suis tombée plusieurs fois avec elle. La visière, elle. Ouais, encore la visière, elle tient. Mais elle est trop lâche. Ça, c'est trop, trop lâche. Elle a vécu. Elle a vécu des choses mouvementées encore. Je l'ai récupérée du club parce que ben, c'est la seule qui m'allait. Mais je vais la jeter parce que vu qu'elle doit être endommagée au niveau de l'intérieur,
Et j'ai pas envie de passer une bombe déjà endommagée pour le club parce que sinon, les plis qu'ils pourraient utiliser s'ils tombent fort, la bombe peut se casser épaisse. Et ça peut être très très dangereux. Mon dossard. J'ai acheté la veille du concours où je faisais avec Yoron. Et franchement, il est pas, il me gêne pas du tout. Il est parfait cette dorsale. Je recommande vivement pour ceux qui ont des problèmes de dos particulièrement. Ça, c'est un sac bleu que j'utilise juste pour toutes sortes de choses. J'avais acheté de l'Isio 4 quand j'avais des pommes et des carottes. Et je mettais dedans. Et c'est très bon pour les chevaux. On peut l'utiliser aussi pour les sabots, pour faire comme huile. Très pratique. Ensuite, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est aussi des lingettes pour laver les naseaux, pour laver autres. Ou les tendons aussi, quand on veut pas trop les mouiller. Le cure-pied, d'ailleurs, je cherchais celui-là. Voilà. Ensuite, ça, avant j'utilisais pour laver plus facilement mon mort parce que c'est pratique d'avoir un petit. Non, plutôt mes étriers. C'était mes étriers que je lavais avec la brosse à dents. J'utilise aussi pour laver mes étriers. Une deuxième lingette. D'ailleurs, je vais mettre là, ça va, rien. Ça, c'est un. Une. Comment ça s'appelle déjà ça? Une époussette, je crois. Pratique pour enlever la dernière poussière. Bon, vu que je monte des Camargues, la dernière poussière n'existe pas. Ils sont tout le temps sales. C'est encore pire. Alors, un bonnet que j'ai acheté aussi en même temps que ma boîte. En même temps qu'une cravache que j'ai acheté mais que j'ai laissé à Marseille chez ma grand-mère. Et je ne l'ai pas encore essayé. C'est taille cheval, taille poney cheval. Ouais, taille cob, quoi. Mes anciens étriers. Un mort que j'ai acheté que j'ai pas encore utilisé. Taille cob. Taille avec poney à grosse bouche. Mes guêtres que j'ai acheté en même temps que mon dorsal. Je l'ai acheté à Fuganza. Bah, Fuganza à Decathlon. Ensuite. Ah oui, j'ai des bonbons. Ouais. Bon, c'est pas yaourt grec, hein. C'est des bonbons, mais j'ai mis dans une boîte. Voilà, c'est des yaourts grecs. Ça, c'est bon. Un filet que j'ai acheté aussi en même temps que ma boîte. Que ma boîte, ma cravache et mon bonnet. Que j'ai pas encore essayé. Taille cob, qui peut aller enfin, à taille cheval et taille poney, car c'est ajustable. Il y a plusieurs trous, on peut modifier, c'est pratique. Très pratique avec. Avec Strass au Sabri 2000.